que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo où je vais me maquiller. Donc c'est un peu... je me maquille et on blablate comme les vidéos d'Aurélie, la chaîne Toutouzi. Et puis voilà, donc je voulais aussi vous faire le retour sur novembre de cette façon-là. J'avais envie et vous parler un petit peu de décembre. Donc on y va tout de suite. Je ne vais pas vous expliquer comment je me maquille, hein, vous verrez un petit peu. Mais bon, c'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. J'espère que la luminosité ira, je vous ai mis en face cette fois-ci, d'habitude je vous mets sur le côté, là je vous mets en face, je vois plus trop rien dans mon miroir, mais bref, on fait au mieux. Donc aujourd'hui on est le lundi 30 novembre, donc le dernier jour du mois de novembre, je vais maquiller en même temps sinon ça ne va pas le faire. Qu'est-ce que j'ai à vous dire sur aujourd'hui? Donc j'ai un produit qui commence à se faire la malle. C'est mon produit Kiko comme ça là, mais il en reste plein au fond et il n'y a pas moyen de l'avoir. C'est un chien. Et on ne peut pas l'ouvrir. Il faudra que je vérifie, mais je crois qu'on ne peut pas l'ouvrir. Bon, on va faire avec ça. Donc aujourd'hui, normalement, je devais rencontrer Clémence, qui est une de mes abonnées. Et qui... ah si, on peut l'ouvrir. Et qui devait venir m'apporter mon calendrier de l'Avent. Et au final, vous savez qu'en ce moment sur Paris, c'est la COP21. Et bah, c'est la galère. C'est la galère, elle devait prendre le train et bah, ça ne peut pas se faire. Malheureusement. Je suis déçue, enfin je suis déçue, mais enfin voilà, que ce matin elle venait que ses deux loulous et je lui ai dit écoute arrête, ça sert à rien, tu vas pas y arriver, ça va être le bordel et puis j'ai pas envie que tu te retrouves bloquée dans les transports avec tes deux loulous. Donc le calendrier de l'Avent, on va se l'envoyer, donc moi je vais me maquiller tout ça, bah, après je vais m'occuper de lui mettre en carton pour lui envoyer. Donc voilà, la journée est un peu chamboulée par rapport à ce qui devait être à la base, mais c'est pas grave, le principal c'est qu'elle soit chez elle avec ses loulous et qu'elle ne passe pas sa vie dans les transports. J'avais pas envie qu'elle... ce n'est que partie remise, on se reverra plus tard. Pas pour le calendrier de l'Avent, mais on se reverra plus tard. Donc sinon, bah, le mois de novembre il a été plutôt sympa. Un petit peu plus cool qu'octobre, puisqu'octobre, vous avez fait une vidéo par jour. Donc là, novembre, j'ai essayé de tenir un rythme de vidéo qui était de 3 par semaine. Ça s'est plutôt bien passé, sauf la dernière semaine où j'ai un peu merdé. Parce que je prépare les vidéos de décembre. Et c'est pas facile du tout à tout mettre en place, tout faire. Et voilà, il y a eu un moment où... j'ai dû gérer plein de choses et bah, j'ai merdé et puis les vidéos, ce sont, j'ai pas eu le temps de les faire et du coup, bah, vous les avez pas eues. Voilà. Sinon, bah, pour novembre, comment s'est passé mon mois de novembre? Bah, très bien, au début novembre, comme vous le savez, je suis allée en week-end chez une amie sur Montpellier. C'était super agréable, il a fait un temps magnifique. D'ailleurs, c'était le dernier week-end où il a fait beau de l'année, je sais pas, enfin voilà, où il a fait vraiment beau. On a fait un petit marché de Noël en t-shirt, c'était vraiment super agréable. D'ailleurs, je vous ai toujours pas monté la vidéo, donc il faut vraiment que je le fasse, parce que... voilà, je vous avais tourné un petit truc et tout. Il faut vraiment que je tourne cette vidéo, que je monte cette vidéo. Je vais monter celle que je suis en train de vous tourner et après je montrerai cette vidéo pour que vous l'ayez dans tout début décembre. Sinon, bah, décembre, novembre, ouais, ça a été un petit mois normal. Les cadeaux de Noël qui commencent à... Ben, j'ai quasiment fini mes cadeaux de Noël. Je suis assez contente et fière de moi. Il faut dire que... je me suis pas mal débrouillée, donc voilà, les ventes privées, noces, tout ça, enfin plein de bons plans. Et ce qui fait que mes cadeaux de Noël cette année... ils vont être plutôt sympas. Et je ne veux pas avoir dépensé trop de sous. Donc ça, c'est cool. Parce que bah, des cadeaux, moi, j'aime bien en faire. J'aime bien faire des cadeaux. Mais j'ai pas besoin de mettre des 1000 et des 100 pour avoir, trouver des jolis cadeaux. Sinon, à part ça, bah, on a passé la barre des 8000 en novembre. Donc je suis hyper hyper contente, franchement j'étais super contente de passer la barre des 8000, je crois qu'à l'heure où je vous parle on est quasiment à 8003, donc c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme, pas mal de petites choses voilà, et franchement je pensais jamais en arriver là, donc
C'est juste super et je vous adore tous pour ça parce que vous me suivez, vous êtes vachement présente pour moi et c'est super agréable. Ben, on va pas revenir sur les choses mauvaises de ce novembre, hein, on le sait tous ce qui s'est passé. Voilà, ça marque tous, c'est malheureux, mais malheureusement, on ne peut pas revenir là-dessus à chaque fois. Il faut passer à autre chose, même si j'ai encore entendu des choses hier soir à ce propos qui me font un peu hérisser le poil. Notamment la manifestation qu'il y a eu où ils ont pris les bougies et les fleurs pour envoyer, pour jeter sur les CRS, franchement. Et après on se dit écho. Enfin, bref. Voilà, il y a plein de petites choses dans l'actualité qui m'hérissent le poil, mais on va pas en parler, hein. Surtout pas. Donc novembre, bah moi facile, basique, voilà, mes vidéos vous ont plu, c'est le principal. Voilà. Un petit mot sur Octoly, parce que vous voyez pas mal de vidéos passer, Octoly, des produits, des avis, tout ça, je vous mets toujours, quand je vous dis toujours quand ça vient d'Octoly. Franchement, moi j'aime bien Octoly, on découvre de super produits, notamment ça où il faut que je vous fasse la vidéo qui est géniale. C'est un produit de la marque Théophile Berton et que je ne pensais pas du tout pouvoir aimer. Et finalement, je l'aime, donc je vous en parlerai prochainement, vous verrez. Et un autre produit que je suis un peu déçue, mais bon, je vous en parlerai dans la. Je vais tourner la vidéo après, je pense. Voilà. Sinon, à part ça, bah novembre, voilà quoi. Je pense qu'il n'y a rien eu de particulier en novembre. Décembre, qu'est-ce que va être décembre? Alors décembre, c'est le mois de l'anniversaire de mon chéri, c'est le mois de Noël, c'est le mois de plein de choses en fait. Donc ça, c'est cool, j'adore décembre pour ça. Et puis, au mois de décembre, il y a plein de petites choses qui vous attendent. Si, en novembre, il y avait les calendriers de l'Avent aussi, qui vous ont plutôt plu. Et d'ailleurs, je passe un bisou aux deux gagnantes qui sont Ludivine de la chaîne Une famille d'enfer et Lise, qui est une de mes abonnées. Je vous fais des bisous à toutes les deux et bah, j'espère que ce calendrier de l'Avent vous plaira. J'y ai mis tout mon cœur, donc j'espère franchement que ça vous plaira. Voilà, et ça vous a plu à toutes et j'aurais voulu vous faire gagner toutes. Mais ça n'est pas possible, mais ne vous inquiétez pas. J'étais justement en train de vous dire qu'en décembre, il va y avoir plein de trucs qui vont vous plaire, je pense. Notamment... J'ai préparé des vidéos. Je me regarde ce que je suis en train de faire. Je vais préparer. Enfin, j'ai préparé parce que je suis déjà dessus depuis mi-novembre. Des vidéos pour des idées de cadeaux de Noël. Il y a pas mal de ces petites choses que j'ai fait parce que en fait, j'ai cherché des idées de cadeaux de Noël et je suis tombée sur des sites très sympas avec des produits très sympas. Et je me suis dit pourquoi pas demander un partenariat à ce site pour recevoir les cadeaux qui me plaisent. Mais ces cadeaux ne seront pas forcément pour moi. J'ai envie de vous les faire gagner. Donc vous allez voir, il y a des trucs, il y a certains trucs que je vais garder pour moi parce qu'il faut que je teste. Et d'autres que je vous ferai gagner avec grand plaisir. Et ça, j'espère que ça va vous plaire. Plus de petites choses que j'ai achetées et qui vont être pour vous aussi courant décembre. Voilà, donc il y a plein de petites choses qui vont vous attendre courant décembre. Mais j'espère sincèrement que toutes ces petites vidéos et toutes ces petites attentions vous plairont. Voilà. Donc voilà, plein de petites choses à faire. Moi, j'ai plein de vidéos à monter, plein de vidéos à tourner. Ce week-end, j'ai fait mon sapin. Donc voilà, pour vous faire des vidéos au pied du sapin. Je trouve ça plus joli. J'aime bien décembre avec les vidéos au pied du sapin. Tiens, d'ailleurs, en parlant de ça, je vais mettre ce mascara-là dans cette vidéo. C'est un mascara que j'ai reçu en partenariat. Enfin, en partenariat. C'est un mascara qui m'a été envoyé par le site Sublime, qui est un site de regroupement un peu comme Hello Coton pour les youtubeuses et youtubeuses et blogueuses. Et la personne qui tient le site, qui a créé le site, m'a proposé de m'envoyer ça pour que je le teste. Donc voilà, je vais le faire en direct avec vous. Enfin, en direct plus ou moins, puisque moi, j'ai déjà testé et je sais ce que j'en pense. Mais je vais vous montrer un petit peu en direct que ça vaut. Donc c'est le mascara volume million de cils Féline de chez L'Oréal. Au niveau de la brosse, il se présente comme ceci. Donc la brosse est assez étrange en fait. C'est pas une de mes brosses préférées et c'est pas un de mes mascaras chouchou, je dois l'avouer. Donc vous voyez hein, comment sont mes cils maintenant. Donc on va mettre.
Je l'ai testé plusieurs fois sous plein de formats différents, en le tournant pas, machin, mais... Je trouve pas que ce mascara soit top en fait. Puis en plus, je m'en fous partout avec. Voilà. Je peux vous donner une idée. Personnellement, je le trouve pas top. Après, voilà, chacun. Puis en plus, il y a des picots. Je me pique la muqueuse avec. Enfin, c'est pas franchement très agréable à utiliser. Donc pour moi, ce mascara, c'est un peu un flop. Si vous l'avez, dites-moi un petit peu ce que vous en avez pensé. Mais voilà, je m'en fais mettre partout encore. Pour moi, ce mascara, c'est un peu un flop. Voilà. Voilà, donc que vous dire d'autre sur le mois? Bah écoutez, je pense que c'est bon. Je voulais juste vous signaler qu'il va y avoir pas mal de petits partenariats. Donc si ça vous plaît pas, bah, passez votre chemin tout simplement. En tout cas, moi, ce sont des idées de cadeaux de Noël que j'ai passé du temps à chercher. C'est pas des sites qui m'ont contacté, c'est moi qui ai contacté les sites pour pouvoir vous parler tout ça et pour pas juste vous parler du site en disant tiens, le site, il a l'air bien, mais au final, je le connais pas. Je voulais vraiment voir un petit peu bah, comment se passaient les choses. Donc vous verrez, il y a pas mal de sites bien sympas. Et puis j'espère sincèrement que ça vous plaira. Des DIY, je les ai quasiment finis. Donc les vidéos vont être montées bah, là d'ici peu, hein, dans les jours à venir. Donc voilà, bah, je pense que bah, j'ai dit pas mal de choses. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser. J'y répondrai avec grand plaisir. D'ailleurs, il faudra que je refasse un ask pour voir un petit peu s'il y a des choses. Mes lunettes, c'est. On dirait que j'ai nettoyé ça avec des tranches de jambon. Si je pense qu'il y a des petites questions que vous avez envie de me poser, donc un ask, je pense qu'il sera pas mal. Bah écoutez, je pense que j'ai vraiment fait le tour là. Je pense que j'ai vraiment fait le tour. Bon, ben voilà, maquillée en 12 minutes, j'ai pas fait grand-chose, hein, j'ai juste fait les yeux. Ah, il y a les lèvres, j'ai pas fait les lèvres. Alors, on met quoi aujourd'hui? Vous avez envie de quoi, vous? Hop, regardez derrière. Et si on ressortait rouge à lèvres de chez PB Cosmétiques, tiens. Les lacs à lèvres de chez PB Cosmétiques, j'ai envie d'en ressortir une aujourd'hui. Peut-être celle-là. Ouais, la 11. C'est ça les lacs à lèvres de chez PB Cosmétiques. Furieux, ils appellent ça les brillants à lèvres, mais ça n'a rien de brillant. C'est un peu comme le Melted en fait. C'est le même principe de rouge à lèvres. Bon, faut que je nettoie ça. Comme il faut, parce que là, je suis en train de faire des conneries. En tout cas, il est très joli. La couleur est très jolie quand même. Moi, j'aime bien. Voilà. Et ils tiennent vraiment bien. Et franchement, ces petits trucs-là, ça vaut pas grand-chose. Et c'est vraiment super. Et d'ailleurs, il faut que je nettoie mon bureau aussi, c'est la cata. Voilà, bah, écoutez, je vous fais d'énormes bisous. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir, comme d'habitude, vous le savez. J'espère que votre journée va très bien se passer. Et puis, moi, je vous dis... ah oui, si, une dernière chose, le calendrier de l'Avent, je ferai comme l'année dernière. Je ne vais pas faire une ouverture quotidienne. Je ferai une ouverture... par semaine, donc toutes les semaines vous aurez mon ouverture du calendrier de l'Avent, le dimanche ou le lundi, je sais pas bien, vous aurez la semaine d'avant, et puis vous aurez bien sûr tous les jours au quotidien le cadeau du jour sur Instagram et sur Facebook. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous connecter à mes deux réseaux si ça vous intéresse. Voilà, j'ai fini cette fois-ci, je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous, portez-vous bien et à très très bientôt. Salut, salut!